C'est une découverte. Je suis curieuse de ce qui s'y passe, des gens que je rencontre là, de tout ce que je peux y voir, y entendre, y découvrir. Que dire? C'est difficile de parler devant une caméra. Oui, c'est une très bonne place, parce que spécialement sur cette terrasse, parce qu'on a l'horizon devant soi et on peut voir assez loin ce qui se passe. Ce matin, par exemple, j'ai vu le soleil se lever sur la mer et je le vois se coucher sur la montagne. Et ça, c'est un grand plaisir. Et d'un point de vue artistique, c'est des grandes sensations. Parce que l'art, c'est uniquement, enfin pour moi, c'est uniquement une affaire de sensations, d'impressions. Ça ne peut pas s'expliquer ni se traduire. Art Surprise, c'est un monde en miniature. C'est une approche complètement différente de mon travail habituel. C'est une façon de découvrir peut-être un futur travail dans un support plus grand. Mais en petit comme ça, c'est déjà un bon début. Je regarde mes notes. Oui, travailler en petit sur des futurs projets réalisés en plus grand. Et mes Art Prize a vraiment aiguisé ma curiosité. Je suis curieuse aussi de voir ce que les autres artistes ont réalisé dans ce domaine. C'est vraiment très intéressant pour ça, à tous les niveaux. C'est quand même important, c'est que pour moi, Art Surprise, c'est sans frontières. Il n'y a pas besoin de traduction. L'art n'a pas besoin de traduction, au contraire de la langue, qui est un obstacle pour la compréhension. Voilà, ça c'est important pour moi. Art Surprise est universel, sans frontières. Et en plus, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est que c'est une petite carte, on peut l'emmener dans sa poche, dans sa valise, dans son sac à main, pour voyager, comme on emmène des photos de famille, mais là on emmène de l'art qui nous plaît. Et également, c'est aussi un beau cadeau à faire. Aussi bien surprenant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le donne. Ça, c'est important. C'est un cadeau.